Bien bonjour tout le monde. Peuple Guadeloupe, quand on fait ça, on croit que ben mon force, mon courage, mon kebirette tout le temps qu'a dit la vie là c'est combat. Quand on c'est pour battre, ils ont qu'entrer, ils ont pour guerre derrière nous qu'a balancer micro nous pour saluer monsieur Jocelyn Sapoti qui est responsable à commune Mantin parce que c'est à Kazaï que nous y. Nous qu'a dit grand bonsoir puisque nous là peuple qu'a côté et pour plaque garder. Donc nous vinn vrai qu'a passé côté site le terrain pétant là ça. C'est qui monde? C'est Maximin Marcel Pigré. P-Y-R-E-E. Voilà. Entré en France, m'arrivé à la retraite. Uh-huh. Et actuellement, je suis joué en club pour lui. D'accord. Il y a longtemps ou dans ça? Eh bien, ça a fait un bout de temps. En France, on a joué pas mal d'années. Vous démarrez comment? Eh bien, démarré bêtement. Tenu en terrain de pétanque en bas 15 ans moins. Ouais. M'a arrêté jouer au football. Et puis, on descend qu'à jouer pétanque, on joue. Et puis, là, on va descendre intéresser moi. On était qu'à jouer pétanque. Alors, si on comprend bien, nous allons parler des pétanques aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler des pétanques parce que si on butait moins aimé, on a pensé que tout le monde qui l'a reçu a aimé la pétanque. Et aujourd'hui là, qu'a présenté la cinquième édition, des Masters de la pétanque. Ouais. Et on est en 2024, donc j'espère que ça aura de longues années encore devant elle. Mm. Et son but est très intéressant parce que c'est là qu'on a partagé entre eux. Et puis c'est les amoureux de la pétanque, ils sont tous là. Ouais. Et normalement, l'édition, c'est 32 équipes chaque année, 32 équipes. Et cette année, il y a effectivement, je ne pense pas qu'il y a 32, hein, parce qu'il y a eu des poules de 3. Mais voilà. Eh ben, écoute, malgré la pluie là, les rendez-vous pas manqués. Eh bien, les rendez-vous pas manqués, tout le monde là présent. Tout le monde là répond présent, nous bien manger, nous ça qui brûle, nous ça qui manger. Et puis voilà, nous allons passer un moment de partage entre nous. Et c'est très agréable, c'est vrai que c'est mon entrée qui a porté l'amour de la pétanque aujourd'hui là, malgré qu'il y ait la pluie. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais quand on met dans le pétanque là? Eh bien, pétanque là, moi, je mets tout le butin, c'est un grand pointeur hein, déjà. Et puis, le monde a demandé moins. Mm-hmm. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas tout le temps pour jouer parce qu'on est en vue de famille quand même. On est madame à moi qui est aussi à la retraite. Donc, de temps en temps, font sortir éveil, font faire des sorties. Est-ce des matchs. Pourquoi on fait transmission là? Eh bien, quand il s'est fait transmission là, puisque moi, j'avais des mouns, on a joué des mouns. Et puis, normalement, à Port-Louis, on a l'intention de créer une école de pétanque en relation avec les écoles de Port-Louis. Mm-hmm. Et puis, nous avons l'intention de faire beaucoup de choses à Port-Louis pour les jeunes, pour les personnes âgées, faire au final la pétanque si moins, voir comment ça va passer. Quoi. Donc, ça a demandé une organisation. Eh bien, ça commande d'organisation. Fournissou. Oui, Fournissou, mais ça, nous payons à la pioche, nous payons demander à droite à gauche. Oui, nous avons payé aux portes et puis nous avons recevoir. Mon caban nous, même si on est 100 euros, 150 euros, c'est déjà ça. Ouais. Et c'est ça qui est pas mal d'ailleurs. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sponsors qui répondent de présent. Et on a un président à Port-Louis qui est le président, le directeur de KIA en Guadeloupe, qui est notre président, qui apporte sa pierre à l'édifice. Et puis cette année, je te dis franchement, on a fait déjà pas mal de choses à Port-Louis. Est-ce que c'est un sport qui est à la portée à tout le monde? La pétanque est à la portée de tous. Et en plus de ça, c'est un jeu d'adresse. Ouais. Et il a manqué beaucoup d'adresse. Et là, vous voyez, où est tiré. Il faut faire attention à mon nagai tiré là. Mm-hmm. Donc, si vous voyez qu'on voit mon nagai tiré, il faut arrêter debout, il faut regarder pour ne pas ou empêcher de tirer. Mm-hmm. Et aussi, au pointage, c'est ce qui est beau d'ailleurs, parce que le pointage, c'est un art, c'est l'art de la pétanque, c'est le pointage. Mm-hmm. C'est-à-dire, mon nagai pointé là, on peut dire franchement qu'on voulait passer savoir-faire en moins à des jeunes de Port-Louis, à des jeunes de partout d'ailleurs, de la Guadeloupe en général. Mm-hmm. Et il faut que la pétanque soit connue en Guadeloupe. Il faut que la pétanque soit connue, il faut qu'on communique là-dessus à la radio, à la télévision et tout ça. Et c'est ce qui manque aussi, les informations à la radio, à la télévision, au niveau de la pétanque. Hein. D'accord, je crois penser que vous ne parlez des autres assez souvent. Ben écoute, moi depuis l'an venu, en partant dans l'eau, il faut qu'on parle de pétanque à la télévision. Et c'est ça nous avons besoin, que la pétanque développe vraiment en Guadeloupe, que nous fait la fédération française comprendre, que nous aussi, nous sommes les amoureux de pétanque. Hein. Ouais. Et c'est ça qui faut. Ici en Guadeloupe, hein, parce qu'il y a un lot pétanque en Guadeloupe. Hein. Et c'est monde qui aime ça. Voilà, le jeu de là, c'est une grande compétition. Le jeu de là, c'est une très, très, très grande compétition. Mm-hmm. Très, très grande compétition. Il y a de grands joueurs ici. Ouais. Il y a de très grands joueurs. Ouais, mais quand il y a organisateur? L'organisateur, eh bien, c'est le président du club de pétanque de la base, hein, mm-hmm. qui est à Pointe-à-Pitre, mais qui a son terrain ici. Mm-hmm. Et c'est monsieur Félix Damaz. Ouais. D'ailleurs, je vais lui passer la parole pour qu'il continue à discuter un peu avec toi. J'ai simplement présenté la cinquième édition. Très bien. Voilà. Nous allons rencontrer Félix Damaz. Ben, écoute, rencontrer Félix, et puis c'est avant plaisir. Si on travaille des mères avec Félix, ça fait un très plaisir d'ailleurs. Très puisqu'on y a l'obité à porter à la pétanque, ouais. Surtout si président du comité, nous que bien vrai. Parce que c'est l'année-ci, c'est à la fin d'année.
l'Assemblée générale là. Donc nous bien voir ce qui a passé. C'est une élection, de toute façon. Voilà, voilà. Donc nous bien voir. Voilà. Donc essayer de porter Pierre en mal édifice avec Félix et nous si les sans Noéli. Ouais, sinon qu'à bouer devant. En tout cas, merci puisque moi pour job là. C'est moi qui remercie. Nous Kenny à voir encore. Eh bien écoute, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Franchement. Très bien fort. Eh bien tout le monde qui est là, ce sera avec plaisir quand on va voir les autres. Très bien. Parce qu'on a l'obité à dire c'est la pétanque. Très bien. À tout à l'heure. Nous allons continuer à balancer quand nous allons voir Félix. Ok. Qu'on nous fait, Félix, ah bon, bien. Ah bon. C'est Félix Damas, c'est qui non, reste... c'est Félix Damas, tout court. Tout nous avons son ouais. Voilà, nous avons invité nous là pour nous parler un peu de l'organisation là, en ouais. Même temps, parlez-nous de vous, par rapport au club là, que vous avez mené là, c'est important de savoir un peu qui ça a fonctionné. Eh bien, jusqu'à là, nous avons bien marché, puisque l'association a créé en 2018, hein, ouais. Le 9 août 2018, et depuis ça, nous là, nous avons fonctionné, nous avons un titre de champion. On a pensé que tout le monde qui est à la pétanque, pas qu'il y a la pétanque, puisqu'on a sorti de d'autres sports, hein, cycliste, basket, football, et qu'on a toujours excellé. C'est pas faute à moi, c'est en Douani. Oui, ben c'est bien. Alors, vous venez de vous même dans ça, ou déjà connaître ces gens qui font entrer, qui gens savent commencer? Nous avons un club habitant, quoi que la boule d'or, ouais. Qui en paix, pas dit la vérité, ou bien tromper moi, mais parmi ou l'un des premiers clubs qui crée en Guadeloupe. La boule d'or, les habitants, bon, là, il n'y a pas qu'à fonctionner. Mais en ces mon habitants Grand Rivière, c'est là que j'ai appris à jouer pétanque côté de l'UPO et Jocson. Ça veut dire en partie en France à 18 ans, j'ai fait études. Et avant, j'étais arrivé pétanque. Et en arrivé ici en 93, on était classé 25e joueur de Val d'Oise. D'accord. Ça veut dire pas qu'on connaît pétanque. Ouais. Mais en jouer, en virer. Mais on était arrêté pour des raisons de santé que tout le monde connaît, parce qu'on était malade. Et on ne peut pas parler de noix, c'est en 2018 à Fond Cacao, les. Manuel Montéen fait vice-champion de France contre la Croix. Et en Tévinie, il a invité moi bon coup éveillé à Fond Cacao. Et c'est là que Alain Rangasami dit moi Damas, il faut vivre à la pétanque parce qu'on n'y place à Oula. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est une grande rencontre avec des différents clubs. Qui j'en sais la capacité? Eh bien, c'est une manifestation qu'on a créée en 2018, là, on a créé le club là. Oui, pardon. Créé club là. C'est-à-dire que comme si vous avez un radio, mais caméraman, bonjour. Et. À partir de là, là, j'ai monté club là, créé club là, et en créé, c'est quoi qui est Masters Guadeloupe Pétanque. Et là, nous en 5e édition là. 5e édition là. Ouais. Et entre parenthèses, pendant là, on va remercier la ville du Lamantin qui met en belle site comme ça à disposition au moins. Parce qu'il croit faire confiance. Ouais. Et c'est pour ça qu'en 40 ans aussi qu'on en paix. Voilà. Alors, le dernier et Master, qui en s'est bien passé? Ça toujours. Est-ce que c'est les autres qui ont remporté? C'est-à-dire que moi, en son organisateur, ouais. En cas souhaité que c'est les banques qui ont remporté, mais d'abord, c'est le sport. Ouais. Parce que c'est quand même le premier sport non olympique de France. La pétanque. Le club n'a pas fait dernier quand même. Nous pouvons faire dernier. Ouais. Tous les années, depuis encore, il y a au moins un titre qui a le championnat de France. L'année dernière, nous champions tête à tête individuel, enfin tête à tête individuel, à la personne de Ramal Naïk Gloiras, qui est un carré remercié qui représentait nous au championnat de France dignement. Ouais. Mais dans sa fournie, comment beaucoup de connaissances fait Kabechan bien? Eh bien, si vous parlez de connaissances, vous pouvez être à Kazao. Puisque faut ça manager, faut ça expliquer, puisque là, au président, ou pas président à vous, ou pas président au joueur, ou président à tous les joueurs. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on entende ça au radio. Analyser et à pourquoi pour ton synthèse ou pas qu'à répondre à chaud. Ouais, ouais. Alors, de qui l'âge a commencé? Eh bien, tu es en Guadeloupe. Nous pas dit école de pétanque. Des jeunes, après on est les seniors et on est les vétérans. Ouais, mais pourquoi diriger? Moi, je dirige base, hein, base. Ouais, bien-être, action sociale et éthique. Ah, ok, voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Ça y est arrivé que j'ai déplacé, j'ai mis la main. Oui, nous avons la santé Martinique et c'est nous qui avons remporté. Hein. Ah ouais. Nous avons remporté le Grand Prix de Saint-Pierre, près de 300 équipes et c'est nous qui gagnons. Nous gagnons. Ils ont fait progrès, ils croient que nous bien. Mais comme ils savent que nous sommes bons et que laissez-moi. Est-ce que c'est un sport qui a fait nous déplacer? Oui, oui, ou quoi regarder ou quoi voir. Ils sont bien méconnus quand même. C'est pour ça qu'on remercie ETV. Qu'il y a eu l'occasion d'expliquer ce qu'on a fait, qui nous nous y est et ce que Pétanque a représenté en Guadeloupe. Puisque Pétanque n'a pas diffusé dans les médias. De temps en temps, il y a eu une interview à Guadeloupe la première ou à Pénoméo. Guadeloupe la première ou à OCI, mais ce n'est pas suffisant.
c'est pas suffisant, peut-être travail là pas fait aussi. Ouais. À pas fort azote. Ouais. Parce que nous on demande et peut-être que nous pas qu'à répondre à la demande là. Ouais, ouais, ouais. Mais moi toujours convoqué moi hein. Ah, ouais. Les médias toujours convoqué. Mais qui durerait en compétition? Eh bien, c'est-à-dire que on peut jouer individuellement, yen contre yen. On peut jouer deux contre deux, on peut jouer en triplette. Ouais. Après c'est quoi démarrer 0-0 et c'est premier arrivé à 13 points. Après c'est un peu long, nous faisons une émission pour nous parler de ça. Un hôpital d'ici ça. Là, ce n'est pas le but là. Le but là, c'est faire découvrir ça nous café. Sa base café, c'est-à-dire la 5e édition des Masters Guadeloupe Pétanque. Et que nous accompagnons par pas mal de sponsors. Oui, pour ne pas oublier eux, on peut nommer toutes. Mais on peut nommer les principaux. C'est-à-dire que nous avons la ville de la Matin qui permet de la disposition. Nous. Conseil départemental qui a suivi moi et qui a accompagné moi depuis en créé manifestation là. La ville de Vieux Habitants. Et le club de Saint-François, en la personne de M. Nicard Nicard. D'accord. Voilà. Parlant de vieux habitants qui ont salué Judex Henri qui a gardé nous là présent parce que je connais lui. Mais Judex qui a accompagné moi, c'est manifestation. Hein. À vieux habitants qui est là. Habitants, parce que c'est commun, c'est commun à moi, il faut y maman vite. C'est bien. Ouais. Et il y a maman, il a dit moi oui. Il faut maman, mais il a dit moi oui. Ok. Mais après, c'est qui maman? Ou avoir la garde en roulant là. L'appli? Ouais. Non, mais l'appli, la rappelle à faire. C'est la nature. Comme il a fifiné, nous qui balancer mes connus, on va continuer. Ok, merci encore. Il y a plein de monde pour nous prévoir. Merci. Ok.